J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est. Jésus est. Jésus est. Je vous salue dans le nom de Jésus, sois béni. Amen, amen. Je vous aime. Je vous aime. Alléluia. Je vous aime très fort. Je vous aime très fort. Alléluia. Et je prie que le Dieu de toute grâce nous augmente notre foi ce matin. Parce que sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Alléluia. Sans la foi, Dieu ne peut même pas te regarder. Alléluia. Parce que si tu as la foi, ça veut dire que tu es comme Dieu. Alléluia. Amen. Si tu as la foi, c'est que tu crées. Tu fais partie de la race des créateurs. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a la foi fait partie de la race des créateurs. Dis, je fais partie de la race des créateurs. Dis, je ne suis pas un consommateur. Je suis un producteur. Je produis. Je suis né pour produire. C'est pourquoi j'ai la foi. Comme mon père. J'ai la foi comme mon père. Alléluia. Parce que si tu n'as pas la foi comme ton père, tu ne peux pas être fils de ton père. Alléluia. Ce Dieu-là est bon chaque jour. Chaque jour, il m'enseigne. Chaque jour, il me parle. J'ai envie de partager cela avec vous. Alléluia. Parce que Jésus dit que je veux que là où je sois, que vous y soyez aussi. Et mon Père, notre Père spirituel, l'apôtre Paul, merci, me dit souvent que je veux que là où je suis, tu y sois aussi. Alléluia. C'est pourquoi il m'emmène tout dans ses conventions. Il veut que je sois et que je vois comment il fait. Alléluia. Et je veux que là où moi, votre bergère, où je suis, que vous y soyez aussi. Alléluia. Que si on acclame Jésus, l'âne aussi reçoit des acclamations. Et que si on m'acclame, qu'on vous acclame aussi. Si on acclame notre Père, la pauvre Paul, qu'on vous acclame aussi. Si on acclame Jésus, qu'on vous acclame aussi. Alléluia. La gloire est à Jésus. Alléluia. On va s'asseoir. Dieu est bon. Alléluia. Qu'est-ce que je tiens dans mes mains? L'union, n'est-ce pas? Un journal. Il est utile, n'est-ce pas? Alléluia. Là, maintenant, prends l'autre. Il y a un autre journal, s'il te plaît. Dieu est bon. Dis que Dieu est bon. Dieu est bon. Un peu plus vite. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. La jeune, la petite de l'autre. Alléluia. C'est ça. Hein? La petite de l'autre. Si tu as ta petite là, ça va pour toi. Regarde, tu es ma petite. Tu as ta femme là, tourne-toi, dis tu es ma petite. Alléluia. Les anciens disent tu es ma petite. Alléluia, la gloire du Seigneur. On dit ça à toi, tu es ma petite. Oh ma petite, viens ici. Ma petite. Alléluia. Parce que la femme, c'est la petite de l'homme. Alléluia. Entre Adam et Ève, il y a un autre. Ça, non. Donc la femme, c'est la petite. Quel que soit ton âge, tu es la petite. Alléluia. On acclame encore le Seigneur. Si je remets ça à quelqu'un, c'est utile, n'est-ce pas? La personne va prendre, c'est utile. Parce que la personne va trouver, il y a des informations dessus. Alléluia. Maintenant, quand je remets ça, la personne va commencer à lutter.
Si je te remets le journal comme ça, tu vas lire. Mais je vais quand même prendre, je vais lire ce qui est visible, n'est-ce pas? Bon, maintenant. Ça, c'est ma vie. C'est les circonstances, tout ce que j'ai traversé dans ma vie. Alléluia. Amen. Ça. Dieu va te faire rencontrer des gens qui sont comme ça. Des gens comme ça. Des personnes comme ça. Des enfants comme ça. Dieu te donnera des enfants comme ça. Il te donnera des maris comme ça. Un mari, pardon, je corrige. Une femme comme ça. Bien-aimé, viens. Voici, Dieu te donne ça. Qu'est-ce que tu en fais? Ramasse. Voici, ton père te donne ça. Kumba, qu'est-ce que tu en fais? Je jette ça dans la poubelle. Tu le jettes dans la poubelle? Oui, c'est le réflexe de tout le chacun. Lorsque tu as un enfant qui est compliqué, qu'est-ce que tu fais? Tu l'abandonnes. Tu es un mari qui est compliqué, un caractère compliqué, qu'est-ce que tu fais? Tu te fous de lui. Ouais, tu ne dresses plus la table. Tu dis aux enfants, votre père est arrivé. Allez-y mettre la table là-bas. Hein? Tu ne prépares même plus, ce sont même des enfants. Vois, ta grande fille qui est dans ta maison n'est pas là pour préparer pour ton mari. Hein? Les femmes ne disent pas amen. Hein? Quand on voit dans la Bible, c'est la femme qui prépare pour l'homme. C'est ta femme qui prépare pour toi, ce n'est pas ta grande fille. Tu formes ta grande fille pour qu'elle prépare pour son mari dans son foyer. Alléluia. Est-ce que tu viendras préparer dans son foyer? Elle va te dire, maman, viens préparer comme j'ai préparé dans ton foyer. Viens préparer dans mon foyer. Alléluia. C'est ton mari qui doit t'occuper, peu importe l'état de ton mari. Je vous demande, qu'est-ce que vous voyez là? Maman, qu'est-ce que tu vois là? Moi, je vois des... Des coupures? Oui. Des coupures et les journaux? Oui, et maintenant tu peux appeler, à cet état, tu appelles ça quoi? Tu peux appeler ça quoi? Des déchets. Des déchets. On appelle ça des déchets déjà, à ce niveau. Mais vous savez ce que moi je vois? Quand je vois ce journal, je vois que je peux réaliser un tableau avec. Je vois que je peux réaliser un tableau. Vous connaissez, vous savez, je vais vous présenter ce tableau la semaine prochaine. Parce que je n'ai pas eu le temps, parce qu'il faut acheter, certaines choses. Ouais, je prends ce journal, je mets ça dans de l'eau. Alléluia. Ça devient comme de la pâte. Et je prends un contreplaqué. Je prends la pâte, je mélange dans la colle. Et je lance ça sur le contreplaqué. Ça colle. Et je prends une peinture de couleur noire. Je peins le tableau. Et je prends maintenant une peinture de couleur dorée. Et je crée ce qui est dans mon esprit. Et lorsque j'exprime, on dit, oh, c'est beau, c'est magnifique. Mais ce tableau est magnifique. Alléluia. Mais à l'origine, c'était des déchets. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait ça? C'est quand je vois, c'est par la foi. Alléluia. Vous voyez le déchet parce que vous n'avez pas la foi. Parce que vous n'espérez plus que ça puisse revivre. Mais Dieu, lorsqu'il voit quelqu'un qui est brisé, il voit que cette personne n'a pu renaître plus en journal, plus en un journal, mais il peut renaître en un tableau, autre chose différente et plus beau. Quelque chose qu'on peut admirer. Personne ne peut passer son temps à admirer l'union comme ça. Tu as vu quelqu'un comme ça qui admire l'union comme ça. Mais tu peux voir quelqu'un qui peut s'asseoir et admirer un tableau. Des jours et des jours. Dieu fait de toi un tableau qu'on va admirer. Alléluia. Yes. Mais toi, à ton tour, qu'est-ce qui amène à ce que ces déchets deviennent le tableau? C'est la foi. Tu dois avoir la foi. Là où les gens voient le chaos, tu dois voir la beauté.
Et notre Père spirituel qui est à Dubaï, qui nous salue aujourd'hui, il est impressionné. Quand il pense que c'était un désert, il va avoir de la foi. Pour voir que Dubaï, quand tu vois Dubaï, c'était un désert. Quand tu vois le désert, tu ne peux pas imaginer qu'on puisse construire des immeubles à cet endroit. Alléluia. Est-ce que pour tes enfants, tu peux avoir cette foi? Même si c'est un champ vrai total, que les gens disent que non, mais celui-là, il est perdu. Mais toi, tu ne vois pas que c'est un champ vrai. Tes yeux de la foi et ton cœur de foi voient que c'est un trésor. C'est un homme responsable, un directeur, un entrepreneur de demain. Alléluia. Amen. Maman, dépose ça ici. Amen, ça ici. Dépose ça sur l'estrade. Est-ce qu'on peut parler au Seigneur? Alléluia. Il faut que quelqu'un te rencontre. Dieu a besoin des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Peu importe la personne que je rencontre, si elle est brisée, lorsqu'elle repart, hein, elle ne peut plus être pareille. Elle est encouragée. Pourquoi? Parce que j'ai la foi. Et quand je vois la bien-aimée Amélie, je ne vois pas ce que je vois ou ce que les gens voient. Je ne vois pas ce que mes yeux voient comme ça. Je vois autre chose. Quelque chose qui est plus excellent que ce que je vois. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons croire contre toute espérance? Ce papier-là, tout le monde a dit que j'étais à cette poubelle. On ne pouvait plus espérer en tirer quelque chose de bon. Mais moi, j'ai vu de l'art. Je suis allée à Brazzaville avec l'homme de Dieu, à la convention de son père, de son mentor, l'évêque d'Ar. Je suis rentrée dans une église. Je vous assure, cette église-là, quand on m'a dit que ça avait du papier qu'on a décoré, je dis c'est faux. Les poteaux étaient décorés avec du papier, des journaux. Je dis c'est faux. On me dit c'est des journaux. Mais je dis, mais pourquoi ces murs comme ça? On a d'abord trempé ça dans le ciment. Et après, on a collé ça sur le mur. Je dis, mais c'est pas possible, Ina. Mais comment a-t-il pu imaginer, parce qu'il avait la foi, que quelque chose de beau pouvait sortir d'un simple journal qui était déjà fini? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as la foi? Dieu veut te donner la foi ce matin. Nous sommes dans le livre de Romains. Dis, je suis un homme de foi. Alléluia. Il est écrit dans le livre de Romains, nous allons commencer à partir du verset 13. Chapitre 4. Romains 4, 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité et non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, à celle qui a la foi d'Abraham, à celle qui a la foi d'Abraham. Est-ce que tu peux avoir la foi de ton père? Alléluia. Notre Père spirituel, l'apôtre Paul, nous avons enseigné sur l'Esprit du Père, n'est-ce pas? Alléluia. Il y a aussi la foi du Père. Il y a aussi la foi du Père. Alléluia. Quand tu as l'Esprit du Père, il te faut aussi la foi du Père. Si ton Père a une foi, une grande foi au point de déplacer les montagnes, toi tu n'as pas une grande foi, tu n'es pas le fils de ton père. Le fils peut faire ce que le père a fait. Alléluia. Jésus dit, mon père agit
moi aussi j'agis. Mon père crée, moi aussi je crée. Ça veut dire mon père a la foi, moi aussi j'ai la foi. Il faudrait que la foi, que tu aies la foi, que ta foi soit égale à la foi de ton père. Ou sinon supérieure. Parce que Christ a dit que nous ferons des choses plus grandes que celles qu'il a faites. Alléluia. Amen. La Bible dit, nous étions au verset, quoi? 16, qui dit que celle qui a la foi, la postérité, qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Donc Dieu est notre père, Abraham est notre père devant Dieu. Alléluia. Pourquoi il est notre père devant Dieu? Parce qu'il a cru en Dieu. Alléluia. Il est notre père devant Dieu. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que spirituellement, lorsque tu crois comme Abraham, ton père qui t'a engendré sur terre n'est plus ton père devant Dieu. Est-ce que tu crois ça? Tu comprends ça? Lorsque tu te présentes devant Dieu avec la foi, si tu te présentes avec la foi, si tu me présentes avec la foi de mon père qui m'a engendré, Dieu ne me regarde pas. Est-ce que vous comprenez ça? Mais s'il me présente avec la foi d'Abraham, Dieu me reconnaît comme étant le fils, la fille d'Abraham parce que j'ai la foi d'Abraham. Parce que c'est Abraham qui me connaît. C'est pourquoi notre Père spirituel me dit souvent, quand tu te présentes, lorsque tu fais des prières, présente-toi d'abord en tant que fille de celui qui a l'alliance. Amen. Alléluia. Amen. C'est Abraham qui avait la foi qui dépassait toute autre foi, qui égalait même la foi de Dieu. Parce que Dieu avait la foi pour créer, il faut avoir la foi. Alléluia. Oui. Amen. Pour que Dieu ait créé, il faudrait qu'il ait Dieu ait la foi pour avoir créé tout ça. La foi, c'est la démonstration des choses qu'on espère, n'est-ce pas? Oui. Ça mène à l'existence ce qui n'existe pas, ce qu'on ne voit pas de nous. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que ce qui est dans ton esprit, c'est de faire en sorte que les gens voient ce qui est dans ton esprit. C'est ça la foi. Quand elle est encore dans ton esprit, ce n'est pas la foi. Là, c'est l'espérance, c'est ça, c'est ton espérance. Alléluia. Mais quand l'espérance, ce que tu espères se réalise, alors c'est ça la foi. Est-ce qu'on comprend? C'est lorsque ton rêve se réalise et que moi, je peux voir ton rêve comme je vois ce bac-là. C'est ça la foi. Mais tant que je ne vois pas ce que tu as en toi, c'est pas ça la foi. Ce n'est pas encore la foi, c'est l'espérance. C'est un rêve. Alléluia. C'est un projet. Alléluia. La Bible nous dit qu'il est notre Père devant celui auquel il a cru. Il a cru en qui? En Dieu. Et la Bible nous dit, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Est-ce que tu as cette foi? Tu désires quelque chose et tu appelles ça comme si elles existaient. J'avais dit à une femme qui voulait se marier, que comporte-toi déjà comme une femme mariée. Alléluia. Arrête, une femme mariée ne peut pas rentrer à 24 heures. Tu veux te marier? Par la foi, arrange déjà ton comportement. Alléluia. Ouais, ouais. Je suis allée même loin, je lui commence à adresser un deuxième coup d'œil. Ouais. Il n'est pas là, mais tu dresses le couvert là, tu mets le couvert de ton mari là, tu es là. Il est là. T'as vu, mais que Dieu appelait ce qu'il a. Attends, on appelle ça comment? On appelle comment? Sans parler? Alléluia. La Bible dit que Dieu appelait ce qui n'existait pas comme si ça existait. La foi s'appelle la guérison comme si la guérison existait. Tu sens la maladie encore dans ton corps, mais tu appelles la guérison comme si la guérison était déjà installée dans ton corps. Alléluia. Amen. Tu appelles le travail comme si le travail était
sors le matin, tu ne dors plus jusqu'à 11h. Tu te lèves le matin, tu es bien habillé, comme quelqu'un qui va au travail. Tu as même des documents. Là, tu appelles le travail comme si le travail était là. Tout le monde sait que tu ne travailles pas, mais toi, tu sais que tu travailles et tu appelles le travail. La Bible dit clairement que Dieu appelle ceux qui n'existent pas comme si ça existait. Tu peux appeler la société, là n'existe nulle part. Tu peux créer une société, mais la société n'existe nulle part. Mais tu appelles la société, tu fais des papiers, tu vas, tu tapes, tu donnes le nom d'une société. Et tu appelles la société, on te dit tu travailles, tu dis je travaille dans telle société, j'ai monté ma société. Ma société s'appelle Glorieuse Fashion. Voilà. Oh, mais c'est où? Oh, mais c'est situé à tel... Les gens vont te prendre pour un malade. On dit, mais à ma enfant là, je passe souvent, je ne vois pas la société là. Mais elle est là, tu ne vois pas? C'est ça la foi. C'est ça la foi. Oh, mais je passe souvent au boulevard, là, je ne vois pas ta société. La société là, elle est là. Elle est là. Mais tu ne vois pas quand. D'ici un quart, là, je vais t'emmener. Ah, ok, d'accord. Oh, ça. Mais tu proclames ça avec conviction, tu amènes ça à l'existence. Un jour, tu verras cette société. Un jour, tu verras cette société. Alléluia. Dieu veut que nous puissions appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Dieu veut que tu puisses appeler l'argent que tu n'as pas comme si tu avais ça. Quand je n'ai pas l'argent, je me demande, oh, ben ça, je dis que non, mais je n'ai pas l'argent sur moi, c'est dans mon compte. Là, c'est dans mon compte et j'ai un compte bloqué. Ah bon, oh, je n'ai pas l'argent sur moi, je n'ai pas de liquidité sur moi. Bon, je vais d'abord appeler celle qui gère mon compte. C'est comme ça. Et je vous assure, deux jours après, il y a l'argent qui tombe. J'appelle la personne, oh, elle m'a débloqué, elle est partie prendre l'argent pour vous. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. J'ai quelqu'un qui, oh, oui, bien moi je continue. Oh, mes femmes m'appellent avant, je dois appeler celle qui gère mes finances. On dit, ah, donc on a déjà appris déjà ses finances. Oui, il y a une ange qui gère mes finances. Parce qu'à part que tu demandes là, il y a quelqu'un qui dit, oh, mais bien me viens prendre 100 000 là, tout de suite là. Je dis, oh, merci Seigneur. Maintenant, oui, elle m'a déposé l'argent. Oh, tout de suite là, oh, mais viens prendre. C'est comme ça, c'est la foi. La foi, c'est une folie. C'est comme nous avons vu la semaine dernière, où la Bible nous dit que nous devons nous regarder nous-mêmes. La foi, c'est te regarder toi-même comme étant grand. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Dieu, la parole de Dieu dit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Alléluia. Alléluia. Attends un peu le Seigneur. Espérant contre toute espérance. Ça veut dire qu'il n'y avait plus d'espoir. Je disais que dans Abraham, là, Sarah est finie. À 90 ans, elle ne voit plus ses menstrues. Elle ne marche même plus droit. Elle a la peau qui tombe. Même toi, là, tu es déjà contre la casse. Tu cherches encore quoi? Prends Ismaël, regarde Ismaël. Ça veut dire que ce, quand il regardait son corps, quand Abraham regardait son corps, il disait, Et quand sa femme regardait, la femme regardait le corps de son mari, elle dit non, non, toi aussi là. Là, on ne peut plus rien faire là. Mais la Bible dit qu'il a espéré contre toute espérance, contre tout ce qui pouvait être humainement supportable.
besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est. Jésus est. Jésus est. Arrêtez-moi les fausses évangiles là. Alléluia. La tunique de Jésus,
ça n'a pas été cousu sur terre, hein? Sans couture. Alléluia. Amen. Tiré au sort. Alléluia. Amen. Ouais. Il faut arrêter la fausse spiritualité là. Les habits de Jésus étaient cousus au ciel. Hein? Donc moi quand je dis que je vais acheter mes habits, faire mes habits aux États-Unis, je dis comment elle est orgueilleuse. Pourquoi est-ce qu'elle va, elle ne peut pas acheter les habits ici là au Gabon? Elle veut montrer qu'elle est orgueilleuse. Jésus lui, ses habits étaient pas au ciel. Hein? La Bible dit que c'était une tunique sans couture. On a dû tirer au sort parce que c'est, on ne trouvait pas ça sur terre. Alors, alléluia. Les chaussures de Jésus étaient les chaussures blindées. Parce que ça ne s'usait pas. Alléluia. Non, il faut vraiment éviter. Évitons ça. Dis à ton frère, évite ça. Évite ça. Alléluia. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a fait un post sur le Facebook. Il y a un chanteur ivoirien qui a fait un concert. Alléluia. Il a fait le concert, donc il y a un des pasteurs qui est venu avec une sacoche pleine d'argent. Il a commencé à lancer sur le chanteur. Le chanteur est en train de lancer. Il y a un qui a dit que c'est le monde. Dites, aïe! Il a dit que c'est le monde. Que ce n'est pas l'idée. Je dis, mon Dieu. La Bible me dit que Jésus est assis, une femme est venue avec un parfum de pur nard. Elle a cassé ça sur le pied de Jésus. Je lui ai dit, pourquoi tu gaspilles le parfum là? On pouvait vendre pour le nœud propre. Jésus a dit, chut. Alors, et c'était le parfum de quoi? Le parfum de la prostitution. Donc, il faut bien parler. Arrêtez-moi votre christianisme à la noix. Est-ce qu'elle d'abord mis les habits de Sainte Marie? Elle est partie vendre les tomates au marché, elle a acheté le parfum, elle est venue. Bon, Seigneur Jésus, tu as vu, j'ai laissé la prostitution, hein? J'ai laissé cette argent de la tomate, hein? J'ai vendu les tomates, et puis c'est... Non! Elle a pris le parfum de sa souffrance, le parfum de son humiliation. Elle a répondu au pied de Jésus. Jésus a dit, elle m'a embaumé, elle m'a fait le bien. Donc toi qui trouves que quand on bénit un chanteur qui est en train de louer le Seigneur, une veste de l'argent, toi tu trouves que c'est le chanteur du monde là, tu lis quelle Bible? Alléluia! Quand je sors, venez me donner l'argent. Alléluia. Amen. Donnez-moi l'argent, je danse. Allez, donnez-moi l'argent, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Évitons d'inventer des choses. Jésus n'a pas refusé. Si elle est une prostituée, vient tout de suite me remettre l'argent, je prends cet argent. Et je prie sur cet argent. Et parce que Jésus a accepté son offrande, elle a changé de vie. Amen. Si je lui avais dit que, oh, je ne veux pas de ton offrande, de ton parfum. Tu as une mauvaise vie. Jésus aurait perdu cette femme-là. Alléluia. Amen. Les prostituées, les gens de mauvaise vie, venez me donner l'argent. Je vais prendre. Alléluia. Amen. Parce que lorsque je prends cet argent, je vois une personne, une femme digne. Un homme digne. Alléluia. Amen. Jésus voyait la grandeur en cette femme. Alléluia. Amen. Soyez des hommes et des femmes de foi. Arrêtez de voir en l'autre quelqu'un qui est fini. Quand tu as la foi, tu ne vois pas les autres de la même façon. Alléluia. Tu ne vois pas quelqu'un. Tu ne vois pas une prostituée comme une prostituée. Tu vois une prostituée comme une grande dame. Et la Bible dit que Jésus a dit partout où on va parler de moi, on va parler de cette femme. Toi qui es saint, qui fait la compétition de sainteté avec Jésus, on ne va pas parler de toi. Mais on va parler d'une prostituée. Alléluia. Amen. Et des gens qui font la compétition avec Jésus, ils veulent même dépasser Jésus en sainteté. Alléluia. On acclame le Seigneur, c'est une parenthèse. Et même dans tout ça, pour sauver quelqu'un qui est dans une mauvaise vie, il faut avoir la foi. Il faut voir en cette personne quelqu'un de grand. Alléluia. Quand je vous regarde, je vois que vous êtes si merveilleux. Je vois des soldats, je vois des grands hommes, des grandes femmes.
Je vois des personnes qui bâtissent des orphelinats. Je vois des personnes qui bâtissent des écoles pour les gens défavorisés. Je vois des personnes, des DG. Je vois des futurs présidents. Alléluia. Vous avez vu une fois ici, là, que je vois un noir devenir président de la France. On va dire, oh, jamais de la vie. On va dire que ça, c'est impossible. On va dire que ça, c'est impossible. Mais moi, je dis que ça, c'est impossible pour toi. Hein? Mais pour Dieu, ce n'est pas impossible. Alléluia. Oui. Quelqu'un qui a le sang noir peut s'asseoir sur le trône de la France. Être noir, il peut avoir l'apparence d'une blanche, mais dans ses descendants, dans ses ancêtres, il y a un arabe. Dans ses ancêtres là-bas, il y a un bon enfant. Alléluia. Il y a un bon teke, il y a un bon poulou là-bas dedans. Un kota, un choco, je ne sais pas. Quand on fouille, on dit, oh, celui qui a assis là-dedans, qui revient du Gabon. Alléluia, oui. Je vous dis, un jour, les Noirs vont occuper les postes les plus élevés. Alléluia. Amen. Oui. Vous allez voir. Quand le matin, quelqu'un a dit que j'ai fait un rêve, après combien de temps ce rêve va se produire? Alléluia. Amen. Ça va arriver. Amen. Ça va arriver. Parce que j'ai foi en ce Dieu. Le Dieu qui restaure les choses. Le Dieu qui fait asseoir celui qu'on estime être esclave, il nous donne le siège de roi. Amen. Les Noirs vont occuper les chaises de fauteuil de royauté dans ce monde entier. Amen. Oui. Je le crois et je le sais, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Celui qui a aidé Jésus à porter sa croix, c'est qui? C'est un Noir. C'était un Noir. Ça veut dire quoi? Celui qui va prendre le relais, c'est le Noir. Amen. Qu'on ne veuille pas. La plaque incontournable sera le noir. La plus belle couleur au monde. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Parce que Dieu vit dans le noir. Il est sa propre lumière. On a lumière dans quoi? Dans le noir. Amen. Est-ce qu'on a lumière dans la lumière? La lumière est utile dans le noir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Une belle peau. Je suis fière. Je suis noire et Dieu est en moi. Alléluia. Toi qui fais le projet là. Toi qui es. Non, vous trouvez clair là. Les cafons là, vous regardez. Regardez un peu les gens brûlés là. Non, vous êtes noirs, je vous aime. Acclamons le Seigneur. Dire que non, moi je suis noir par la foi. Oui. Oui, les blancs diront, je sais pas, j'ai une peau blanche, mais je suis noir par la foi. Dans mon esprit, je suis noir. Ils vont le dire. Alléluia. Il n'y a pas de moment où les Français voudront devenir Gabonais. Par milliers. Ouais. Ils vont tous. Il n'y a pas de jour où un président français va demander la nationalité gabonaise. Alléluia. Je le prends au nom de Jésus. Amen. Oh, c'est beau. Alléluia. Oui. On acclame le Seigneur. La Bible dit, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devait père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi. Donc, pour parler d'avant, on ne parle pas d'incrédulité. Comment on peut dire un peu incrédulité? C'est l'absence. C'est l'absence de foi. C'est l'état d'esprit de celui qui ne croit pas. C'est celui qui ne peut pas voir, qui ne peut pas avoir la bonne attitude lorsque tout va mal. Lorsque tu n'as pas la bonne attitude, quand tu vas mal, tu n'as pas la foi. Alléluia. Notre Père spirituel, il m'étonne souvent, l'apôtre Paul ici. Quand
quand une situation te dit, oh, papa, papa, il y a telle situation. Il est là, il est super. Quand il est super, quand le cœur, je ne dis pas en face comme ça. Dans le cœur, je dis, mais papa, il est super, il ne voit pas que la situation est grave. La situation est grave, il est super. Je rentre là-bas, je me dis, ah. Surtout quand la situation me concerne moi-même. Et je vois qu'il ne panique pas pour moi. Il me dit, tu es la fille de qui? Tu es la fille de qui? Papa, mais là, c'est pas la question, c'est pas la question. Il me dit, je te pose la question. Tu es la fille de qui? Appelle l'ange des ténèbres, se tient devant la force de Dieu. L'apôtre Paul dit, alors va. J'arrive dans la chambre. Seigneur, envoie-moi quelqu'un. Envoie-moi quelqu'un, c'est que je vais me confier. Envoie-moi quelqu'un. Après, tu me dis, mais comment veux-tu que ta foi grandisse? Arrive à avoir la même foi que ton père spirituel. Et la même foi que ton père. Et sans en rendre compte, les choses se dégagent. Wow. Alléluia. C'est un autre témoignage. La soeur me dit, il y a quelqu'un qui me devait, qui me doit de l'argent. Beaucoup d'argent. Donc cette personne-là, m'avait baladé comme on fait balader. Une fois la soeur a venu à marcher d'Awenji jusqu'à Zang à pied. Parce que la personne vient de rendez-vous, elle est partie. Avec son mari. Marcher. Parce qu'elle disait, ah, la personne dit, je vais te donner un taxi. Elle arrive avec son mari l'accompagne, ils ont tapé les pinces, quoi. Ils ont marché. Ah! Elle arrive et dit, bergère, le monsieur elle nous a fait faux bon. Ah! Elle a commencé à paniquer, non, je vais rédiger les plaintes, je vais faire ma soeur. J'ai dit, reste tranquille, maman. Le commandant de monsieur là est venu, se trouve être le fiancé d'une maman que je connais très bien. Donc ils arrivent dans mon bureau ici. Un jour, il me dit, voilà, je suis le colonel tel. Je dis, oh. Je dis, monsieur, vous travaillez. Il me dit, je travaille à tel. Hey, Jésus, tu es bon. Je dis, vous connaissez tel. Il dit, oh, oui, je connais, c'est mon petit, ma soeur. Oh, c'est un bon petit. Dans le cas, je dis, hey. Je dis, dites-lui, hein, que c'est mon petit frère. Je dis, c'est mon petit frère, dites-lui. Hein? Dites-lui que vous. Vous avez rencontré sa grande soeur, c'est délire. Donc, dès que son chef hiérarchique arrive à le nom, mais tu as une soeur qui est pasteur, elle s'appelle Cynthia. Le gars est devenu vert. Après, je l'ai appelé devant la soeur Yannick. J'ai dit, est-ce que tu savais que ton chef devait être dans mon boulot un jour? Pardon, pardon, madame. Pardon, je vous assure. Je vous assure, tous les pardons. J'ai dit que non, je joue avec les enfants de Dieu. Et je pouvais faire, la soeur, je lui ai dit, laisse son cas, dans cette semaine, Dieu va régler son cas. Et dans la semaine, son chef est venu dans mon bureau. Et son chef-là est fiancé à un haut magistrat. Les deux sont venus. Quand je lui ai dit que tu connais madame tel magistrat, il dit, oui, oui. Avant de venir toute petite, je lui ai dit, on ne joue pas avec les Seigneurs. Tu te disais que comme tu es là-bas, tu portes les tenues, tu ne pouvais rien, mais celui qui est au-dessus de tout, attention que ton chef vienne dans mon bureau. Donc il a commencé à rendre mon argent. Alléluia. Amen. Il a commencé à rendre mon argent. Madame, vous avez reçu le dépôt? J'ai bien reçu que Dieu te bénisse. Amen. Il faut bien te réveiller. Quand tu as la foi, tu parles pas, tu donnes l'argent, tu sais que il va courir. Le mouton peut courir. On est tabassé là-dedans. Hein? Oui, tu peux courir. On ne fuit pas quand tu dois un serviteur de Dieu, ne fuit pas. Quand tu dois un enfant de Dieu, ne fuit pas. Parce que la foi, je t'amène. Ça veut dire que j'ai amené. Ça veut dire que la foi avant en sorte que la foi que mon père enseigne ne panique pas. Parce que je panique, que je dis non. Et il y a un autre nom. Je t'ai le nom, l'ancien connaît.
celui-là. Comment je vais faire avec celui-là? Et Dieu amène dans mon bureau. Ça veut dire qu'il y a un homme qui me fait passer comme ça. Oh non, oh non, oh non. J'ai dit, mon Dieu, je vais le faire comme celui-là. Contre ma baka, il pense à me tourner à son avantage et puis je suis perdu. Parce que j'ai dit, Seigneur, je remets ça entre tes mains. Celui qui a la capacité de gérer ses finances est venu dans mon bureau. Il m'a dit, en une seule, un homme, n'est-ce pas, ma soeur? Il s'est dit, bien oui. Ah, il envoie un autre vocal que Madame Saint-Elia, ne paniquez pas. Dans une semaine, il vous restitue votre argent. Je vais le couper à la source. J'ai dit, hé! Hey! Mais Dieu n'est pas bon. Dieu n'est pas bon. Et la foi, ne panique pas. Ne panique pas. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est venu. Hier, elle fait le bruit pour 10 000. Elle a ramassé le frère Morel, le beau frère Morel. Elle a commencé à ramasser le frère Morel. Elle est venue, elle a devant le portail. Elle est où? Elle est où? C'est moi qu'elle demande comme ça. Elle est où? Elle est où? J'arrive comme ça. Je dis oui. La facture. Je dis c'est pour 10 000. Tu fais tout ce bruit pour 10 000. Je dis mon père spirituel m'a appris que les relations, c'est plus que l'argent. Si aujourd'hui, j'ai de l'ombre là où je suis, c'est parce que j'ai des relations. Les relations là, c'est parce que j'ai mis les relations au-dessus de... Je dis, l'argent ne me commande pas. C'est moi qui commande l'argent. Donc, c'est pour les 10 000. Je dis, tu sais combien j'ai dans mon placard là? Je devais sortir 500 000 tout de suite là. Tout de suite là. Je dis, tout de suite, je devais sortir. C'est pour 10 000, tu veux me faire bruit. Je dis, 10 000, si tu tombes là tout de suite, c'est 10 000 qui va te sauver. Si tu as tes 10 000 dans ta poche, si les gens passent, qui va t'amener à l'hôpital? J'ai dit, tu as oublié que quand tu louais, tu as oublié des services rendus. Tu as oublié qu'on était une famille à cause de 10 000 francs. Alléluia. Ayez la foi. La foi vous ouvre les portes. Alléluia. La foi t'ouvre les portes, quel que soit ce que tu désires. Si tu désires, il faut croire. Même si les gens disent que tu n'as pas la qualification qu'il faut. Amen. Alléluia. Amen. Si les gens disent que tu n'as pas la qualification, je connais les gens ici qui travaillent dans des endroits. Elles n'ont pas le BPC, elles n'ont pas le CEP. Alléluia. Amen. Je connais une soeur, on a connu une soeur ici, elle est décédée, elle a travaillé dans la banque. UGD. Alors, elle est rentrée d'abord en tant que technicien de surface. Alléluia. Elle n'avait pas la qualification qu'il fallait. Mais après, elle s'est retrouvée quoi? Elle s'est retrouvée caissière principale. Et les autres ne pouvaient pas faire le travail si elle n'est pas là. Elle montrait même le travail à ceux qui avaient des diplômes. Alléluia. Elle n'a pas regardé, elle m'a dit que tu es technicien de surface. Non. Quand elle essuyait, elle venait, elle regardait comment les autres travaillent. Quand elle essuyait, elle venait, après avoir essuyé, elle vient, elle regarde comment les autres sont en train de travailler. Et au fur et à mesure, bien aimé, ne t'arrête pas, technicien de surface. Apprends là où tu es dans ton environnement, apprends autre chose. Aspire à ce qui est meilleur. Hein? Alléluia. Si tu es seulement seul pour comptable, après avoir fini ton travail, rentre dans le bureau de celui qui est supérieur à toi. Regarde comment il travaille. Apprends. Alléluia. Apprends. La grandeur vient par la foi. Et la Bible nous dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps étant déjà usé. Ne considère pas. La Bible nous dit, quand on voit dans le livre de Romains 6, à partir du verset 11, ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché. Ainsi toi-même, tu dois te regarder comme étant capable. Alléluia. La Bible dit que Abraham n'a pas regardé son corps usé. Il n'a pas dit que mon corps était déjà usé. Mais toi, tu dis que tu es déjà fini, tu es bien trop vieux pour te marier. Que tu es déjà trop vieux, que tu n'as pas telle chose, que tu n'as pas ça, que tu vois déjà ce.
c'est ton nom que j'appelle dans les moments d'allégresse. Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est. Jésus est. Jésus est. Alléluia. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Sarah n'était plus en état d'avoir. La Bible dit qu'elle n'était plus en état. Bien aimé, même si la nature, même si ton corps te montre que tu n'es plus en état, mais ton esprit et la parole de Dieu et la foi te montrent que tu es en état. Dis, je suis en état de concevoir. Je suis en état de bâtir. Je suis en état d'être délivré. Je suis en état d'avoir la victoire. Je suis en état de réussite. Alléluia. Maranatha. On acclame le Seigneur. Tu dois être en état. Dimanche dernier, Dieu pouvait nous dire que nous devons nous regarder nous-mêmes. Bien aimé, n'attends pas que le pasteur te regarde comme étant une bonne personne. Toi-même, vois-toi comme étant une bonne personne. Vois-toi comme quelqu'un qui tu es capable. Dis, je suis capable. Je n'attends pas qu'on reconnaisse en moi les capacités. Je sais que j'ai des capacités. Je sais que je suis capable. Dis, je suis capable. Je suis capable. Alléluia. N'attends pas qu'on te dise que oh non, non. Mais je pense que tu peux y arriver. Toi-même, tu dis que tu vas y arriver. Amen. Dis, je vais y arriver. Je dis que on a visité, vous savez, on a visité, c'était pas Bien-aimé Grâce. Pardon? Orphelina M. Jéricho. Alléluia. J'ai toujours eu cette pensée dans mon cœur d'ouvrir un orphelinat. C'est dans mon cœur, c'est ma pensée. Alléluia. Et ma pensée dans mon cœur, c'est d'ouvrir un orphelinat avec une école déjà. Pour que ces enfants soient scolarisés en même temps. Alléluia. Et je sais que ça va se faire. Je sais que ça se fera. Lorsque je suis rentrée, c'est une femme, une vieille maman de 60 ans. Elle a donné tout son terrain. Mais il faut voir, on a vu un enfant qui a été abandonné à une semaine. La maman a voulu abandonner l'enfant. Il est grippé. L'enfant a été grippé. L'enfant est grippé. On l'appelle Moïse. Il y avait un autre qu'on a abandonné. Alléluia. Il s'appelle Aaron. Il y avait une autre qui était agrippée à elle, qui était tout comme il avait une grosse tête comme ça, et le corps comme ça. Il était agrippé comme ça. Je voulais m'approcher, je lui dis, ah! Et elle a attrapé ses enfants avec amour. Elle ne travaille pas. Elle m'a dit, ces enfants-là ne savent pas lire. Beaucoup ne sont pas scolarisés. J'ai eu mal au cœur. Je dis que j'ai la capacité. Dieu m'a donné un don d'ouvrir l'intelligence des enfants. Amen. Si ton enfant ne sait pas dire, amène-le. Alléluia. Si ton enfant n'est jamais allé à l'école, amène ton enfant. Même si on a dit qu'il est aide comme quoi, amène-le. Alléluia. Quand j'ai quitté l'établissement dans lequel j'enseignais, le directeur était dépassé. Il était traumatisé. Les enseignants ont dit, non, le directeur ne s'est jamais remis le temps de départ. Pourquoi? Parce que j'avais ce don-là d'ouvrir l'intelligence des enfants. J'ai eu des larmes aux yeux. J'ai dit, mon Dieu. Et la Bible me déclare quoi? La Bible, il y a le social dans l'église. La Bible déclare que nous devons nous presser d'avoir dans le pauvre. Et on peut s'évanger le pauvre comment? En apportant. Tu peux venir prêcher l'évangile à un pauvre. Il a la personne à faim. Et tu lui dis comment Jésus t'aime. Vraiment, tu lis la parole de Dieu, mais le ventre creux encore. Mais non. C'est la partie où les anglophones nous gagnent, les francophones. Les anglophones s'aiment. Les musulmans s'aiment. Alléluia. Amen. C'est pourquoi beaucoup de gens n'ont pas d'islam parce qu'ils ont l'esprit de. Et ils prennent ça dans la Bible. La Bible dit que les apôtres ont dit que déléguer des gens dans l'assemblée, des gens qui vont prendre soin des veuves et des orphelins.
orphelins. Alléluia. C'est en sortant de là que je dis, Seigneur, j'ai dit à cette dame que moi je viendrai enseigner, apprendre à ces enfants à lire, à écrire. Et je me battrai par la grâce de Dieu pour que ces enfants-là soient scolarisés l'année prochaine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous êtes les bébés, vous allez le faire avec moi. Alléluia. Amen. J'ai reçu un homme qui est venu dans mon bureau. Il m'a dit, l'église a des papiers. Je dis, oui, l'église a des documents. Il me dit, comme l'église a des documents, vous pouvez faire des demandes. Alléluia. Vous pouvez aller vous faire demander de l'aide dans des ONG et pour que l'église puisse vous soutenir pour le matériel scolaire, pour apprendre ses enfants. Il y a des... Non, je vous assure, le pain, cette maman seule, elle est seule. Et tous les enfants sont grippés. Bien aimé, à partir d'aujourd'hui, ceux qui sont sensibles, il y aura une boîte là. En sortie de que tu mets 500. Chaque semaine, j'achèterai du pain que j'irai déposer là-bas. Du pain que j'aurai déposé à Mélène. Parce qu'il y a des gens, des gens qui sont malades mentaux, qui ont été abandonnés par les parents. Ils n'ont pas de pain, ils n'ont pas de quoi manger. C'est ce que Jésus nous apporte. C'est ce que Jésus nous demande de faire. Alléluia. Amen. Tu as 500. Tu as 100 francs. Il y aura une offre, une caisse pour les bonnes œuvres. Et ceux qui sont du métier d'éducation, venez vous rejoindre à moi. On va enseigner à ces enfants, on va apprendre à lire, à écrire. Gratuitement, Dieu nous bénira. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous bénira. Alléluia. Amen. Il y a un frère qui est anglophone, mais il n'est pas venu aujourd'hui. Parce que le Gabon est rentré dans le Commonwealth. Il ne va pas encore. Mais moi, je vois dans mon esprit ce ministère prenant le feu des milliers, donner un terrain sur lequel on bâtit une école et l'orphelinat pour les enfants. Ils seront scolarisés. Je vois cela pour ce ministère. Alléluia. Et je crois que nous sommes capables. Seul, je ne peux pas y arriver, mais avec vous, je vais y arriver. Alléluia. Avec vous, je vais y arriver. Ceux qui ont des contacts, rentrer en contact avec ces personnes, c'est cette année que nous devons le faire. Alléluia. Cette année, nous devons apprendre les contacts avec les ONG. Et je ne veux pas que ça soit médiatisé. Alors, ne mettez pas mon nom sur Facebook quand on a fait les dons là-bas. Et si le nom doit sortir, c'est le nom du ministère, pas la figure de quelqu'un. Alléluia. Pas ma figure, en tout cas. Alléluia. Dieu nous bénira autrement. Si vous avez le linge des bébés là-bas, vraiment ces bébés-là, ils sont malades, ils sont grippés. Il y a un bébé qui n'a que 3 semaines. Tiens, le rhume encombré. Alléluia. Ça fait mal au cœur. Tu as les habits de ton enfant. Amen. Dieu te visitera. Alléluia. La gloire est à Jésus. C'est pourquoi tu vas élever ta voix, tu vas dire, Seigneur, je veux avoir la foi. La foi qui croit que l'impossible peut être possible. Je crois que la situation peut changer. Tu as un projet. Tu es là dans ce lieu, tu as un projet. Et tu ne vois personne pour t'aider pour ce projet-là. Les hommes vont venir de partout pour t'aider. Les hommes viendront de partout pour t'aider. Alléluia. De la même façon que les hommes que Dieu a envoyé des gens m'aider pour que ceux qui me donnent de l'argent doivent libérer mon argent. Les gens enverront, Dieu enverra des anges, des gens vers toi pour décanter ta situation. Aie la foi en cette parole. Élève ta voix. Thank you.